Bordel de merde, c'est la guerre! Je viens de commencer le niveau et c'est déjà la merde. Je vous jure que ça a commencé. J'avais trop aussi raide que ça. J'ai même pas le temps de faire mon intro. Ouh, ah, je crois que ce niveau va être très dur. Retournons-y. Ok, je prends une petite pause pour dire bonjour à tous, c'est Zetsu 66, épisode 8 je crois de Brutal Doom. Ça fait un moment que j'avais pas tourné, donc ça va faire au moins un mois et demi que j'ai pas tourné de Brutal Doom, donc je suis un petit peu rouillé et en plus ça a commencé très très violemment si je puis dire. Donc attendez, je vais attendre avant de m'avancer. C'est de la lave en bas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et que, bref, nous voilà repartis pour l'épisode 8 de Brutal Doom, et ceci est directement la suite de l'autre épisode. J'avais pas commencé encore si vous voulez, regardez, j'avais sauvegardé ici le dernier coup, et il a fallu que je refasse la fin du niveau, parce que j'avais oublié de sauvegarder, et j'avais pas rentré dans ce niveau-ci, donc j'avais bien fait, puisque ça commençait assez... rapidement, donc j'aurais pas pu finir mon épisode comme il faut. Donc voilà, nous sommes repartis. Bientôt la fin de Brutal Doom. J'ai pris ma décision et oui, je vais faire Brutal Doom 2. Simplement, je vais attendre la sortie de Brutal Doom version 20 qui va sortir en juillet. Après ça, je vais enchaîner avec Doom 2, avec Brutal Doom version 20 qui va sortir, qui devrait bientôt sortir, donc normalement en juillet comme j'ai dit. Voilà. Donc je suis très habitué à jouer à Brutal Doom, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai un petit peu rouillé, j'essaie de me concentrer en même temps de parler, c'est très difficile. Oh merde! Ok, je sens que ce niveau va être très chiant. Il va me prendre plusieurs essais. Donc déjà, commencer par reculer pour avoir des munitions, parce que sinon on n'a pas de munitions. Esquiver, prendre une trousse de soins, prendre l'autre trousse de soins. Et autant dire que Brutal Doom version 20, j'ai impatient qu'il sorte, puisqu'il y a plein de nouveautés. Et il y a quelques petits trucs quand même amusants de rajouter, qui rajoutent un peu de difficulté au gameplay. Et je suis encore mort. J'y arriverai jamais. Donc c'est pour ça que j'ai dit que peut-être qu'on ne finira pas aujourd'hui. Ça me prend trop de temps finir ce niveau. Je ne pourrai pas finir aujourd'hui. Donc il y aura deux épisodes qui resteront. Celle-là et le prochain devrait être vraiment la fin de Brutal Doom. Et voilà. J'espère que je parle assez fort, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est tout réglé et tout. Je voulais changer ma façon d'enregistrer, mais j'ai pas réussi à configurer comme il faut. Je vais regarder ça pour le prochain épisode parce que j'ai remarqué que les vidéos de Brutal Doom, on voit pas très bien les chiffres en haut. C'est un petit peu embrouillé, pourtant j'enregistre en
en HD. J'ai simplement changé de quoi dans Fraps un petit peu. J'espère que ça, la qualité de la vidéo sera meilleure. Pour le son aussi, j'espère que le son sera quand même assez bon comme toujours. Même si j'arrive pas à enregistrer avec un son stéréo. Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes. Il va falloir que je change quelque chose dessus, c'est pas très grave. Il y a un monstre là, de quoi je parle, espèce de Minotaur, celui qui m'a tué tantôt, là, je m'en rappelle comment ça s'appelle. Je me rappelle plus du nom, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Doom. Je voudrais que ça me fasse bizarre de recommencer après tout ce temps. Pourtant, j'ai pas arrêté ce soir, j'en ai quoi, un peu plein de mois. La dernière vidéo, je l'avais tournée en avance, donc c'est pour ça que je l'ai mis il y a 3 semaines. Maintenant, ça fait peut-être un mois, et demi que j'ai pas joué. Donc voilà, je sens que ça va être vraiment difficile comme. C'est la fin, c'est sûr. J'ai fini par me réhabituer. Je vais crever. Ah. Bordel de merde. Donc, je crois que je vais faire une ellipse et recommencer ici après avoir vaincu toute la horde au début. Parce que je n'arrive même pas à parler. Bref, je reviens. Re tout le monde, en fait ceci est un test. En même temps pour tester, j'ai rechangé de quoi dans le frappe, je me suis remarqué que ça n'avait absolument rien changé à la vidéo, j'ai remarqué. Que les trucs étaient quand même encore embrouillés en haut, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Je sais pas si je devrais changer de logiciel et tout. Je vais voir ça, je vais essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. Mes autres jeux ça fonctionne assez bien. Je sais pas pourquoi dans Doom ça fonctionne pas très bien. Bon en fait je crois que ça fonctionne assez bien. Sinon c'est pas tellement grave. Ça a l'air à bien fonctionner avec les autres jeux. Je vais essayer de trouver une solution pour Doom 2. Pour l'instant j'ai pas trop touché, ça fonctionne, donc je vais filmer d'autres vidéos avec. Je ne toucherai pas au setting. À part là j'ai remis comme c'était avant et j'ai juste changé un truc. Au lieu de mettre half size, j'ai mis full size. Je sais pas si ça va changer de quoi, je sais pas si ça va être moins fluide ou si ça va être plus fluide, je sais pas qu'est-ce que ça change. Bref, je refais juste les premiers niveaux pour me réhabituer à jouer en fait. Parce que mine de rien, j'étais plutôt rouillé. Et des fois ça fait du bien de refaire les premiers niveaux. Donc voilà, je vais refaire encore peut-être quelques niveaux et ensuite je vous retrouve pour la suite. Donc à tout de suite, bye! Re tout le monde! Donc oui, j'ai... Oula. J'irai pas voir là tout de suite. Donc oui, j'ai... Je me suis repratiqué un peu parce que je suis quand même assez rouillé, faut le dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça devrait mieux se passer maintenant. J'ai remis half size, je me suis rendu compte que oui, la qualité de la vidéo est meilleure, ce n'est plus embrouillé, mais par contre, la vidéo saccade, ça cause des lags, donc je trouve pas que la qualité est meilleure, donc je préfère la laisser un petit peu plus bas et que ça ne bug pas. Je vais essayer de trouver une solution pour Doom 2 comme j'ai dit. J'essaie pas trop de modifier mon Fraps parce qu'il fonctionne bien avec les autres jeux. Donc voilà. Oups, je suis encore tombé. En fait, j'essaie d'aller rechercher le placement. Oula. Bug de souris. Invulnérable. Ah là là.
que c'est. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, lorsque j'ai tombé en bas, je suis remonté par un trou ici sur le côté. Et en fait, ça m'a ramené par ici. Parce qu'il y avait des monstres, des munitions et tout. Donc ça m'a un peu aidé. Donc là, j'ai ramassé quoi? J'ai rien ramassé du tout. Voilà. Il y en a deux. Ah, c'est pour ça que je me suis fait péter la gueule tantôt. Il y a quelqu'un qui me tire dessus d'en bas. Mais je n'arrive pas à le viser. Et on l'a vu très vite. Je sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu très vite. Le bas. Et voilà. Il y en a un qui sort d'ici, il y en a trois, non, non. Donc, il y en avait deux ici et un l'autre bord. Et là avec les gens. Ah putain de merde. Sérieusement, comment ils voulaient qu'on fasse ça? Bon, j'ai réussi là, mais. J'ai claqué qui a. Quasiment la moitié de munitions sur une chance qu'il y avait une autre boîte de munitions ici et que j'en avais au début. Donc, ça va être l'arme la plus utile du niveau, je crois. Là, je peux un petit peu ceci. Ah non, c'est pas vrai. Chance que j'ai ceci comme arme. Mais je n'ai plus de munitions. Inquiète, launcher, je vais recharger et je vais surtout sauvegarder. Vous m'excuserez, mais la sauvegarde est là pour ça. Je m'en avais pas servi beaucoup au début, mais là, je crois que c'est le moment de s'en servir plus. Étant donné que je suis presque mort, donc. Si vous voulez que je réussisse à passer ces niveaux, faut mettre toutes les chances de mon côté. Je veux dire, qu'est-ce qu'a fait ce bruit? Ah non, pas ça. Vous voyez là, c'est un cyberdémon. Le machin a trois canons. Ben, canon, c'est pas, il tire trois missiles. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Je m'en rappelle plus. Bref. C'est dessus cette saloperie. Coucou! Voilà. Il faudrait que je réussisse à descendre sans me tuer. Sans me faire tuer. Il doit y avoir des munitions et de la vie en bas. Je crois que c'est une tronçonneuse. Oui. Je crois que j'en ai eu un. J'en ai eu deux. J'en ai eu trois. Et c'est tout. C'est vraiment l'arme la plus efficace contre ces monstres. Ouais, pas contre ça, mais. Faudrait que j'essaie de trouver de la vie quelque part. Ça s'ouvre pas. Ça. Je vais faire un petit tour. Ah, vous avez vu, je peux risquer de plonger.
ça c'est... Oh, Soul Sphere. Ça me pique au complet et ça me met à 122. Donc comme j'ai dit tantôt, il y avait des monstres en bas, il y avait un petit passage par où est-ce que je suis passé pour remonter. Je vais quand même garder ceci pour lui. Pas lui, celui-ci. Ok, ensuite je vais switcher à la tronçonneuse. Et ça lag vraiment par ici. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Mais on en dit à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Ça me fait. Ça m'a jamais fait ça. Manque le plus. Je vais refaire une sauvegarde. Je suis désolé, je vais essayer de point sauvegarder dans les autres niveaux, mais celui-là est très chaud. J'en doute pas que les prochains le seront aussi. C'est même encore plus difficile, peut-être. Ah, mais vous êtes. C'est sérieux. Je vais essayer d'y retourner. C'est de la strat, mais comme je suis très habitué, ça me fait. Une chance, j'avais pas resté là, s'il y aurait arrivé en même temps que moi, je crois que je serais mort. J'aurais explosé ce qui aurait apparu dans mon intérieur. Bon, de la vie en masse, mais voyez ce qu'il y a là. Ça, c'est la merde. Faut pas qu'il arrive à me toucher. Mais je crois qu'il est coincé, donc je vais en profiter pour le tuer. Je sais que c'est pas un très beau combat, mais j'ai. Ouf. Vous avez vu ce qu'il est capable de faire? J'ai pas tellement le choix de. J'ai pas tellement le choix de l'attaquer comme ça. Il est mort. J'ai vraiment le choix d'attaquer comme ça, il m'aurait tué à mon patron de roquette. Big fucking gun. Ça c'est vraiment très utile, je vais en avoir besoin dans les prochains niveaux, je sais pas si je m'en ai déjà servi. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai fait les autres épisodes, donc je m'en rappelle pas vraiment. Perfect Adrenal. Finish. Donc j'ai tué le monde, j'ai pas commencé tout, j'ai pas trouvé les trucs secrets, mais comme je dis, je fais jamais le niveau de secret à 100%, peut-être bien que j'ai oublié des trucs très importants, mais c'est pas grave. C'est pas tellement mieux ici. J'ai ramassé quelque chose. Ah, merci. Et ça finit bientôt, je vais crever. C'est maintenant que je m'en sers. Ça va aller, si j'ai utilisé tout.
de ce que j'ai. Et j'ai même plus de munitions de ça, ça va super bien. T'as vu les belles quenouilles, t'as vu? As-tu vu? Sérieusement, c'est la merde. Je crois que je vais abuser des sauvegardes. Je vais essayer d'améliorer mes settings. Je ne sais pas si vous voyez, le sang est noir de loin et le proche est rouge. Donc je vais essayer de tout améliorer ça pour le 2, pour que le 2 soit parfait. Ne inquiétez-vous pas là-dessus. En fait, c'était comme un prototype un peu... Même si je suis quand même très fier de ce let's play. Donc, j'ai assuré. Pas tout le temps, je suis mort quand même souvent. Mais en général, j'en suis plutôt bien sorti. Oula, encore un bug de souris. Une sauvegarde, j'ai pas vraiment le choix, je suis désolé, ça va fonctionner comme ça. Je ne sauvegarderai jamais, sauf dans le dernier. Ah merde, en fait, ça fait pas de souris. Je ne sauvegarderai jamais, sauf dans le dernier monde. C'est ça que je vais faire aussi, non. Deux, merde, je suis tombé. C'était super. C'était vraiment con. C'est pas grave. C'est où c'est par en bas ici. Il y a de la vie. Il y a de la vie, quelques ennemis. Tout le large, requête. Il faut. Voilà. Le mode repenter. Le truc le plus utile de la galaxie. Avec ça, je suis invincible, je peux me soigner. Et en plus, je vais l'aider tout le temps, donc je vais l'abuser. Je vais m'en servir comme c'est pas possible. J'ai pas tellement le choix. Je vais m'en servir parce que sinon je vais crever. Je vais refaire une sauvegarde, je suis vraiment désolé. Je sais même pas pourquoi je m'excuse. Je sais pas ce que je croyais la faire legit, mais les sauvegardes sont dans le jeu, donc c'est legit. J'ai le doigt. Seulement je voulais avoir un petit peu plus de challenge et mourir plus souvent, mais c'est pas grave. Ça c'était con. Allez, l'œil. Et l'œil, vous remarquez qu'il y a toujours un œil. ok.
Qu'est-ce que j'ai pour battre l'autre? J'ai ça. J'ai plus de ça. Ok, je vais me servir de ça et ça. Allons-y. Donc il est mort. Je vais réabuser de ça. Moi j'ai une frame d'invincibilité et ça me génère un coup de 10 points ma vie lorsque j'ai fait des finish. Voilà. Donc ça va, je vais m'en sortir. Il y a de la vie ici. Et par où est-ce qu'on sort? Par ici? Je crois qu'il faut que je rentre à la sortie. J'ai la clé rouge. La clé rouge, c'est celle qu'on voyait ici. Là je m'en sors parce que j'ai trop d'ennemis et pour me healer un petit peu. Ensuite je suis switché au fusil. Si je vois que j'ai trop de difficultés, je vais reprendre la part. Ça, le truc le plus utile avec la truc dont je vais me servir ici. Ça c'est pas précis, je vais juste m'approcher. Est-ce que c'est ça? Oui. Ah, je l'avais dessus. La clé bleue. La clé bleue, je vais où avec celle-là? On va la assez ici, comme ça. Il y en a un masse de munitions. Ah, merde, il est mort. Et ça, c'est des soins. Des soins avec un répéteur. C'est... Ah, je sais. Voilà, j'étais pas venu ici. Il y a un téléporteur, je sais pas quoi ça sert, mais avant je vais aller voir en haut. La porte bleue. De sauvegarde. Parce qu'il n'y a pas vraiment de bouton de sauvegarde rapide comme dans Skyrim ou les autres jeux. Donc. Et ça, c'est l'exit. Je vais quand même essayer d'aller voir ce qu'il y avait dans le téléporteur, mais je crois que je suis tombé dessus. Et je vois pas ce qui s'est activé. Ah, il y a une plateforme. Voilà, fin du niveau. Je vais commencer l'autre et je vais sauvegarder. J'espère que ça ne commencera pas aussi raide que ces deux. Ah, enfin, un niveau commence dans une petite pièce close. Donc voilà, c'était l'épisode 8 de Brutal Doom. On continuera dans un autre épisode. Je me suis un petit peu étalé sur le temps, je suis désolé. Je suis mort plusieurs fois, je vais essayer de... Normalement, je devrais être plus, je commence à être plus dedans, je ramasse quelques munitions. J'ai pas beaucoup de vie, mais je devrais m'en sortir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de Brutal Doom. Merci, au revoir.